Dans la nuit des temps, dans la vallée de l'Himalaya, un miracle allait s'accomplir. Mahamaya, ma reine, réveillez-vous. Que s'est-il passé? Pourquoi riez-vous ainsi? J'ai fait un rêve étrange, votre majesté. C'est donc cela. Racontez-le-moi. C'était merveilleux. Une étoile venue du ciel et un éléphant. Un éléphant? Oui, monseigneur, et il avait si belle défense. Si défense? Oui, seigneur, il avait si défense. Et ce bel éléphant blanc vint à moi et entra dans mon ventre. Vraiment? L'astrologue de Sa Majesté fut aussitôt chargé d'interpréter le rêve de la reine. Mes respects, votre majesté. J'ai interprété le rêve de la reine. Vous allez avoir un héritier, votre majesté. Est-ce vrai? Et que sera-t-il? Non, nous allons voir. Un garçon ou une fille? Un garçon, bien sûr! Le royaume aura bientôt un prince magnifique! Un enfant divin qui délivrera les hommes de l'ignorance! Ou bien régira le monde entier! Oui, il dominera ce monde, si tel est son désir! Quoi? Comment cela, s'il en a le désir? Mon fils régnera sur l'univers! Oui, et que le peuple demeure dans l'ignorance, je vous en prie. Puis-je aller à Lumbini pour mes couches? Bien sûr, si tel est votre souhait, ma reine. Pushpika. Oh oui, c'est très beau, votre majesté. Oh, j'éprouve une étrange sensation. Quelle sensation, majesté? Il me donne des coups de pied. Pushpika, je crois que la délivrance approche. Oh, aussitôt, majesté? Oui, maintenant. Je le sens. Faisons halte ici, c'est tellement joli. Écoute ça, un bébé vient au monde et la mère prétend qu'elle ne ressent pas la moindre douleur. Ce n'est pas pensable. Si tu veux mon avis, je ne vois qu'une explication. Cet enfant est béni des dieux. Into your wondrous depth. My heart quickens with every step and so does my breath. Votre majesté, est-ce que vous vous sentez bien? Oui, je n'aurais jamais pensé me sentir aussi bien, Pushpika. My heart quickens with every step and so does my breath. I hear the voice of God, Father of men. Say, don't be scared, it's part of the plan. Be trusting. Regardez!
née à nouveau pour vous apporter la lumière. C'est ma dernière naissance dans ce monde terrestre. Bien, c'est très clair. Regardez ces chakras. Tellement nets. Tellement superbes. Oh, et il y en a 12. Quelle est leur signification, oui, astrologue? Oui, éclairez-nous. Votre fils va devenir un grand monarque d'un style nouveau, votre majesté. Pardon? Oui. Il régnera avec un style différent. Oui, Maharaja. Nouveau. Cet enfant, il pourrait régner sur le monde entier, ou bien... Ou bien? Ou bien, il pourrait sauver la race humaine de la souffrance. Mais un grand dirigeant, il sera... Non, non, non. Il n'a pas à sauver le monde de ses souffrances. Mon fils doit régner sur mon royaume. Et sur tout l'univers, s'il est possible. Vous m'avez donné un enfant très spécial, ma reine. En temps voulu, je lui offrirai un écu protecteur, un robuste cheval, un éléphant aussi blanc que la neige, un général conquérant et... Et? Une jeune épouse aussi jolie que vous. Doucement, mon ami, doucement. Laissez-lui le temps de songer à l'amour. Pour l'instant, il ne rêve que de son berceau. Peu après, le roi convoqua ses ministres avisés dans la salle du trône. Messieurs, j'aimerais que vous me suggériez un nom pour mon fils, un nom qui marque l'histoire de mon royaume. Nommons-le Sarvati Siddhar. Pour la prospérité de toute entreprise. Sarvati Siddha. Oui. Sarvati Siddha. Non, 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 c'est un peu trop long. Mais j'aime bien le second nom. Siddha. Oui, qui signifie victoire. Siddha. Siddha. Siddha, 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 Siddharth. Que pensez-vous de Siddharth? Siddharth, Siddharth, ce nom est parfait. Et vous, chère âme, l'aimez-vous? Bien sûr que je l'aime. Siddharth est un joli nom. Et toi, Zita, l'aimes-tu? Oui, Majesté. C'est un très joli nom. Bienvenue à toi, ô grand sage. Bienvenue à toi. Bienvenue, sage Azita. Nous sommes très honorés de ta présence. Soyez béni, Maharaja. Oh, ainsi petit, tu es Siddharth. Mais au lieu de se réjouir, le sage Azita fondit en larmes. Pourquoi pleures-tu, ô grand sage? Un prince est né. N'est-ce pas l'occasion de se réjouir? Maharaja, je n'ai jamais vénéré personne. Mais cet enfant, je m'incline devant lui en révérence. Cet enfant prêchera pour la justice divine. Et il sauvera la race humaine tout entière. Maharaja, la naissance du prince est un grand événement. Peut-être même le plus important. Mais alors, cela devrait te remplir de joie? Mais je suis vieux et je ne survivrai pas assez longtemps pour voir cela. Cet enfant m'emplit d'allégresse. Ne vous réjouissez pas tant, car une épée vous percera le cœur à cause de cet enfant. Quant à vous, ma reine, qui avez montré beaucoup de compassion envers les hommes, vous quitterez bientôt ce monde l'âme en paix. Plus de chagrin, plus de souffrance. Hola, quelqu'un! Messieurs, jetez-moi cet ermite dehors avant qu'il ne prédise d'autres sottises. La tristesse causée par l'annonce de la mort prochaine de la reine alourdissait l'atmosphère. Ma chère sœur, je te confie mon fils adoré. Je sais que tu prendras soin de lui. Je suis comblée d'avoir donné la vie à ce petit saint.
La reine Mahamaya s'éteignit bientôt. C'est étrange que la reine ne soit pas encore levée. Majesté ? Majesté ? Réveillez-vous, Majesté. Majesté ? Oh ! Viens, mon petit. Le jeune Siddhartha vécut une enfance choyée, avec tous les agréments et privilèges qu'il sied à un prince. Hé, Siddhartha, tu ne viens pas jouer avec nous ? Pas maintenant, Devadatta, plus tard. D'accord, j'ai compris. Tu veux méditer, comme d'habitude. Bon, allez, viens, Shana. C'est très étrange. Siddhartha ne veut jamais jouer. Ou bien il lit, ou il reste assis à penser, et ce n'est pas normal. N'ayez crainte, Maharaja. Le prince ira bientôt parfaitement bien. Siddhartha, que fais-tu ici tout seul ? Rien, j'étais juste assis. Est-ce que quelque chose te chagrine, mon fils ? Rien du tout, père. Pourquoi êtes-vous inquiet ? Parce que tu ne joues jamais, mon fils. Les jeunes garçons de ton âge doivent s'amuser. Mais je m'amuse, père. Et d'ailleurs, quelquefois, je joue. Tu joues quelquefois ? Tu joues seulement quelquefois. Mais que fais-tu le reste du temps ? Je réfléchis, papa. Réfléchir, mon fils, est réservé aux aînés. Les garçons de ton âge n'ont pas besoin de réfléchir. Pourquoi, père ? Tu es un prince héritier, mon enfant. Et tu sais déjà tout ce que cela implique, n'est-ce pas ? Oui. Je sais que plus tard, je deviendrai le roi de ce pays. Exactement. Tu es destiné à être un très grand roi. C'est pourquoi je vais t'adresser dès aujourd'hui au sage Vishwamitra qui t'enseignera toutes les matières qu'un prince de ta qualité doit impérativement connaître. J'en suis très heureux, père. Allons le voir. Je vais t'apprendre les textes sacrés. Surtout, sois bien attentif. Ô Dieu qui nous avait donné la vie... Maître, est-ce que je peux essayer ? Tu saurais ? Bien sûr ! Ô Dieu qui nous avait donné la vie, ô Créateur de l'univers, guidez nos pas vers la lumière. Oh, assez, Siddhartha, cesse d'écrire. Où as-tu appris tout cela ? Je n'ai pas appris, je savais. Maintenant, je voudrais bien t'enseigner quelques chiffres. Tu vas répéter après moi. 1 1 2 2 3, montre-moi. 3 puis 4 4 5 5 6 6 7 8 9 10 20 Mais 30, 40, 50, 60. 50 multiplié par 2 égale 100. 100 multiplié par 10 égale 1000. Arrête. 1000 divisé par 2 est égal à 500. 500 auquel je retranche 200 donnera pour résultat 300. 300 multiplié par 4 est égal à 1200. Mais... Je peux continuer, maître. Ah non, 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 non. Ce n'est pas la peine. Non, tu sembles connaître ton alphabet et savoir compter. Voyons les mesures de longueur et de distance. Maître, prenons une moustache. De souris. Avec 10 comme ceci, je vais obtenir un likia. Et 10 likia font un yuka. 10 yuka valent un grain d'orge. Et 7 grains d'orge
c'est la taille d'une guêpe. À partir de quoi je pourrais déterminer celle du haricot. À partir de 10 phalanges de doigts, je pourrais atteindre de plus grandes envergures. Je peux ainsi tout calculer de l'infiniment petit à l'infiniment grand. Considérons les longueurs de lance. 20 longueurs de lance correspondent à un souffle, la distance qu'un homme parcourt avec les poumons pleins. 44 souffles sont ce qu'on appelle un yojana. Et maître, je peux vous dire le nombre de yojana qui nous sépare du soleil. Oh ! Mon maître, je vous en supplie, ne faites pas ça. Vous êtes mon maître, et je vous vénère. Relevez-vous. Oh, très grand sage ! Je ne puis rien vous enseigner. Vous êtes un savant au-delà de tous les savants. Je vous rends humble grâce. Votre savoir et votre sagesse sont infinis. Encore là. Qu'est-ce qu'on va faire? Je suis prêt à tirer, mon cousin. Je te l'envoie. Fais-la exploser. Oh, regarde des signes. Cet oiseau est à moi. Non, non. Donne-le-moi, tu veux? Non, Devadatta, il n'est pas à toi. Cet oiseau appartient au ciel. Comment ça, il appartient au ciel? Je l'ai tué, non? Alors, il est bien à moi. Non, mon cousin. Tu n'as pas tué ce cygne. Tu as juste arrêté son vol. On va le soigner. Tu veux le soigner? Oui, et ensuite nous le rendrons au ciel. Écoute-moi, mon cousin. Je l'ai eu avec mon arc. Et ma flèche, grâce à un tir impeccable. Alors cet oiseau est bien sûr mon trophée. Et tu vas me le rendre tout de suite. Non, Devadatta, je ne peux pas te le donner. Est-ce que tu te crois drôle? Cet oiseau est à moi. Et de quel droit? Du droit divin de miséricorde, car je sais interpréter le monde silencieux des oiseaux. Dans ces conditions, je préfère consulter les anciens.
La petite créature appartient davantage à son sauveur qu'à celui qui l'a blessé. Celui qui chasse détruit la vie. Celui qui soigne réconforte. C'est pourquoi, mon cher Siddharth, l'oiseau que tu as sauvé t'appartient. Emporte-le et prends soin de lui. Siddharth, mon fils, je t'approuve d'avoir sauvé le Seigneur. Je vous remercie, père. Seulement, je dois vous demander... Eh bien, de quoi s'agit-il, mon enfant? Vous devez pardonner à Devadatta. Oh oui, bien entendu. Je suis fier de toi, mon fils. Papa. Viens, viens, Siddharth. Nous allons faire une promenade dans la campagne, tous les deux. C'est une pure merveille. N'est-ce pas, mon fils? Non, père. Pourquoi dis-tu cela? Nous avons vu tellement de choses magnifiques dans la nature. Oui, père, la nature est vraiment très belle, mais dans le même temps, j'ai vu la vie sacrifiée à la mort. Chaque prédateur en tue un autre et sera tué à son tour. J'ai vu le combat impitoyable entre les faibles et les forts, et je n'ai vu que des scènes de domination. Je suis troublée, père. J'ai besoin de réfléchir seule. Oh, prof,
prophecy will soon come true. A prophecy that heaven's true. You shall be a king to guide the people, their spirit and their soul. A prophecy will soon come true. A prophecy that heaven's true. You shall be a king to guide the people, their spirit and their soul. You shall be a king to guide the people, their spirit and their soul. A prophecy will soon come true. A prophecy that heaven's true. Les années passèrent et Siddhartha conserva son goût pour la méditation. Regardez le prince. Je lui offre tout ce qu'il y a de plus agréable au monde, et cependant il est toujours aussi mélancolique. Je ne parviens pas à comprendre la cause de son tourment. Mais en dépit de son mal-être, je veux qu'il devienne le roi des rois, le dirigeant suprême de ce monde. Soyez sans inquiétude, Majesté. L'amour le guérira de sa langueur. Le prince ne connaît pas encore le pouvoir magique exercé par les femmes. C'est possible. Mais qui lui présenter? Ce n'est pas une tâche compliquée, Majesté. Je m'en chargerai bien volontiers. Dites-moi, comment avez-vous l'intention de procéder? Nous allons organiser une grande fête, Majesté, à l'intention des femmes, des jeunes filles plus précisément. Nous allons inviter toutes les jeunes filles du royaume. Je suis persuadée de trouver au moins 2 ou 3 bons partis. Songez qu'il a maintenant 18 ans, et à cet âge-là, vous savez... Parfaitement, parfaitement, mais il est inutile de vous démener ainsi. C'est délicieux de pouvoir contempler tant de jeunes beautés réunies en un même lieu. N'est-ce pas votre avis? Absolument, sire. J'ignorais que le royaume abritait autant de jeunes filles. Mon fils va se trouver devant un choix extrêmement difficile, parmi toutes ces beautés plus exquises les unes que les autres. Suggérez-vous que nous descendions pour l'aider? What is this stirring me? What is this burning me? A feeling so delightful, a feeling so strong. I really wonder what's wrong. Elle est ravissante. Savez-vous qui est cette jeune fille? Elle se nomme Yashodhara. Elle est la fille du grand souverain Supra Bouddha.
C'est magnifique. Faites-lui parvenir un message aussitôt que possible. Nous allons demander à Supra Buddha de nous accorder sa fille en mariage pour le prince. Oui, votre majesté, mais il se trouve que de nombreux princes de royaumes voisins ou même lointains briguent déjà la main de la belle princesse Yashodhara. En ce cas, connaîtriez-vous les exigences du roi Supra Buddha ? J'ai appris que si notre prince pouvait remporter le grand tournoi des guerriers, il se sentirait très honoré d'accorder la main de la princesse et son royaume à notre Siddharth. Siddharth remportera cette victoire. Première épreuve, le concours de tir à l'arc. Non. Les concurrents peuvent choisir les distances à leur convenance. Placez ma cible à 6 mètres du point de visée pour le tir. Je demande que la mienne soit distante de 8 mètres. Vous placerez la mienne à 10 mètres de distance. Est-ce que vous avez entendu? Il demande 2 mètres de plus que son cousin Devadatta. Hey! Vous savez, mon ami, j'ai toujours vu cet arc au temple depuis que je suis tout petit. Je peux vous assurer qu'il faut un bras solide pour le projeter. Bravo, bravo, mon fils. Et maintenant, l'épreuve de l'épée. Les concurrents devront couper chaque tronc d'arbre d'un seul coup d'épée. Attention, le deuxième tronc d'arbre est 2 fois plus gros que le premier. Et le troisième est 2 fois plus gros que le second. Attention, l'épreuve commence maintenant. Du concurrent suivant de tenter sa chance. Oh!
m'avez fait demander, Majesté? Oui, mon enfant. J'ai une chose très importante à vous dire. Auriez-vous quelques sujets de tourment dont je sois la cause, père? Écoutez, ma chère enfant, dans l'enceinte de ce palais, aucune allusion ne doit jamais être faite à la mort, à la vieillesse, au chagrin, à la douleur, à la maladie, ou à quoi que ce soit qui puisse venir ternir le bonheur du prince. Je veux votre bonheur à tous deux. Un bonheur parfait et en permanence. Mais dites-moi, mon père, doutez-vous que je puisse lui apporter le bonheur qu'il mérite? Non, bien sûr que non. Mais je l'ai élevé en l'entourant de soins et je veux continuer à le protéger des malheurs de l'existence. Mais, Votre Majesté, expliquez-moi pourquoi mon époux ne devrait-il connaître qu'une seule facette de la vie? Le prince, ma très chère enfant, souffre d'un regrettable mal de vivre. Voyez-vous, il a cette fâcheuse tendance à la mélancolie et à broyer du noir. La moindre contrariété le trouble. Mais quel judicieux conseil pouvez-vous alors me prodiguer, Votre Majesté? Donnez-lui l'ivresse du bonheur, Yashodhara. Rendez-le ivre de bonheur à chaque instant. Tenez-le enfermé dans la prison dorée de votre amour, cette prison aux barreaux enchanteurs qui a l'amour pour seul geôlier. Merci de votre sollicitude. Mais aucune prison ne me détournera de la méditation, cher père. Que se passe-t-il, mon ami? Avez-vous eu peur de quelque chose? Non, je... Ce n'est rien. Avez-vous fait un cauchemar? Cela fait déjà quelques jours que j'ai remarqué que quelque chose semble vous tourmenter l'esprit. Vous êtes toujours pensif, vous paraissez préoccupé. Est-ce par ma faute? Suis-je concerné en quoi que ce soit? Non, ma tendre amie. Vous n'êtes cause de rien. C'est moi. Je ressens de l'anxiété. Mais quels que soient vos tourments, je vous en supplie, partagez-les avec moi. Je vous aime tant, je vous aime de toute mon âme. Je vous conjure de me pardonner mon étrange attitude. Je fais très souvent des rêves étonnants dont je ne comprends pas la signification. Ah, lesquels? Non, en fait, c'est absurde. C'est sans importance. À certains instants, lorsque je vous regarde ainsi, je crois voir Dieu. Oh, Yashodhara, écoutez bien. Est-ce que vous pouvez l'entendre? Quoi donc? Ce chant. C'est le chant des anges. Non! Je n'entends pas. Moi, je l'entends. C'est une musique tellement divine. Vous ne la percevez pas, non? Non, monseigneur, je n'entends rien. Et cependant, je l'ai très clairement entendu. Oui, si pur et si limpide, c'était l'appel de Dieu, je le sais. Chitra? Chitra? Oui, prince Siddharth. Dis-moi, Chitra, qu'y a-t-il derrière ce portail? C'est votre ville qui s'étend en contrebas, prince. Avec ses maisons, ses marchés, ses cours d'eau et ses rues, ses jardins, ses temples et les prés. Et derrière ces hautes murailles? Au-delà de ce mur s'étend la jungle. Au-delà de celui-ci s'étend le domaine du roi Bimbisara. Et cet autre mur? C'est le vaste monde avec ses millions d'habitants, prince. Dis-moi, Chitra, pourquoi n'ai-je jamais rien vu de ces choses que tu me décris? Pourquoi n'ai-je jamais franchi ces murs? Ce sont les ordres de votre père, prince. C'était donc cela. Eh bien, je veux maintenant tout voir. Je veux enfin savoir ce qui se cache derrière ces hauts murs. Je te prie d'annoncer que je pars en visite. Demande à Shana d'atteler demain, à midi. Je veux savoir enfin ce qui se cache derrière ces portes closes. Ainsi, le temps est-il déjà venu? J'espérais un peu de répit. Très bien, nous allons faire face. Accédons à sa demande, qu'il quitte le palais et voie le monde. Je veux que la joie éclate partout dans les rues. Mon fils ne doit voir que des images de bonheur. «
Notre prince vient en visite dans notre ville aujourd'hui. L'harmonie la plus parfaite doit régner partout dans les rues. Les aveugles et les invalides sont priés de rester dans leur foyer. Je répète, les aveugles, les invalides et les vieillards doivent s'enfermer chez eux et demeurer silencieux. Ce sont les ordres du roi qui doivent être suivis jusqu'à la tombée de la nuit. Siddhartha s'aventura hors du palais pour la première fois. Nous voici arrivés, prince. Voici cette ville que vous aimiez déjà, avant même de la connaître. Toute la population est prête à vous recevoir dignement. Je suis tellement honoré. Merci, merci pour cet accueil chaleureux. C'est magnifique. J'aime mon peuple. Et il m'aime lui aussi. Dis-moi, Shana, qu'ai-je fait pour mériter une telle liesse populaire? Ils sont heureux que vous leur rendiez visite. Oh, c'est extraordinaire. Oh, ils ont l'air si gais et si rayonnants. Je suis si heureux de leur apporter autant d'allégresse. Ils sont contents. Je souhaiterais absolument tout soyez visiter. Soyez bénis, noble prince, soyez bénis. Longue vie à notre prince. Hey, vous. Arrête les chevaux. Arrêtez! Qu'est-ce que c'est que cet homme? Eh bien, cet homme est un vieillard. N'y prêtez pas attention, prince! Ce n'est qu'un vieillard mourant! Que veut-il dire par mourant? Mourir, la mort, c'est une loi naturelle, prince. Mais est-ce que tous les hommes ont cet aspect aussi misérable quand ils sont sur le point de mourir? Lorsque l'on devient vieux, on prend cette apparence et on ne peut rien y changer. Est-ce que moi aussi je ressemblerai à cet homme lorsque je vieillirai? Et quand je disparaîtrai? Est-ce que je vais mourir? Shana, réponds-moi. Quand je deviendrai vieux, je serai comme ce pauvre homme et je mourrai? Oui. Oui. Et dis-moi, est-ce que Yashodhara va mourir, elle aussi? What kind of life is this, which you see as eternal bliss? Oh, were you just a blind man, bitten by life's deceptive kiss? Everything is just an illusion. Oh, prince, how fatal can be your delusion? Heureux avec moi. Est-ce que
je ne vous offre pas tout l'amour que vous méritez. Mon ami, le bonheur, le confort ne sont que des illusions. Nous allons vieillir et tout ce que nous aurons aimé va disparaître sans que nous ne puissions rien pour le retenir. Le temps va tout nous reprendre, ma douce amie. Ma passion pour vous, votre beauté, votre jeunesse. Le temps qui passe balayera tout pour l'éternité. J'ai vu ces ravages et cette vision me perturbe encore profondément. Ce fut un spectacle épouvantable. Et cependant, cela a toujours été dans la nature des choses, mon très cher et tendre époux. Personne ne pourra jamais rien y changer. J'en suis bien conscient. Mais cette loi impitoyable me pousse à méditer. Je ne pense plus trouver de repos désormais. Le roi Shudodana fit un rêve étrange, prémonitoire de l'action de son fils dans l'avenir. Le portail. Je désire me rendre en ville immédiatement. Ah, je suis vraiment navré, prince, mais il m'est impossible de vous obéir. Pourquoi cela ? Ce sont les ordres de votre père, prince. On m'a ordonné de ne vous laisser quitter le palais sous aucun prétexte, sans autorisation de sa part. Ah. C'est donc ainsi. Très bien. Puis-je aller lui parler ou est-ce que les audiences me sont également interdites ? Père ! S'il vous plaît, répondez-moi. Pourquoi ne suis-je pas autorisé à me rendre en ville ? C'est dans ton propre intérêt, mon cher fils. Tu es d'une nature extrêmement sensible et tout ce que tu vois te heurte et tu réfléchis beaucoup trop. Et d'ailleurs, tu as déjà visité la ville, n'est-il pas vrai ? Oh oui, je l'ai vu. Mais tout semblait avoir été organisé par vous-même. Alors rien n'était naturel. Tout cela n'était qu'une vaste mascarade, père. Voir tous ces gens faire semblant d'être heureux et qui riaient. Quel reproche fais-tu donc à la gaieté ? Et dis-moi ce qui te déplaît tant dans le bonheur de vivre. Rien, à condition qu'il soit vrai. N'essayez pas de fabriquer un monde merveilleux spécialement pour moi, père. Si je dois régner sur ce pays, je dois connaître son vrai visage. Il faut que je connaisse le peuple. Son mode de vie quotidien, ses aspirations, ses rêves, ses difficultés, ses désarrois, ses désespoirs, ses peurs et ses raisons d'espérer. Très bien, je suppose que c'est toi qui as raison. Peut-être me suis-je montré trop protecteur à ton égard, je t'ai peut-être entouré de trop de précautions. Eh bien, à compter de cette minute, mon fils, tu es libre d'aller partout où tu le souhaites et d'agir selon tes désirs. Dis-moi, Shana, crois-tu que les gens pourraient me reconnaître dans la rue sous ce déguisement ? Absolument pas, prince. Alors c'est parfait. Allons-y. Messieurs, regardez! Messieurs, un cadeau pour vos dames! Mmh.
Regardez cette scène, n'est-ce pas magnifique? Aidez-moi, s'il vous plaît. Aidez-moi. Venez à mon secours. Annette, quelqu'un, Annette, quelqu'un. Venez à mon secours, aidez-moi. Je ne peux plus supporter cette souffrance. Aidez-moi, s'il vous plaît, aidez-moi. Aidez-moi. Non, 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 monseigneur. Cet homme est malade. Et il est sûrement contagieux. S'il vous plaît, non, ne le touchez pas. Mon frère, pourquoi gémissez-vous ainsi? De quelle maladie souffrez-vous? Shanna, dis-moi ce qu'il a. Il ne faut surtout pas le toucher, monseigneur. Vous risquez d'attraper la peste. Je pourrais attraper la peste? Je veux savoir, Shanna, est-ce qu'il y en a d'autres, beaucoup d'autres malades comme cet homme? S'il y a beaucoup d'autres malades, bien sûr. La maladie fait partie de la vie des hommes. C'est dans l'ordre naturel des choses. La plupart des hommes, des femmes et des enfants tombent malades un jour ou l'autre. Ils ont des fièvres, des troubles gastriques, des démangeaisons, toutes sortes d'affections diverses. Personne n'est jamais épargné. Est-ce que toutes ces maladies arrivent d'un seul coup ou existe-t-il un moyen de les prévenir avant qu'elles ne se déclarent? Non, il est impossible de les éviter. Elle s'avance sournoisement et silencieusement, comme un serpent. Et soudain, telle la foudre du ciel, elle frappe leur victime en un éclair. Shanna, qu'arrive-t-il à tous ces gens qui tombent malades? La même chose qu'à cet homme. Ils souffrent, ils dépérissent, perdent toute leur force et meurent. Ils meurent? Oui, ils meurent. Ils ne sont plus que déchets et disparaissent de la surface de la terre. La mort, mourir. Dis-moi, Shanna, est-ce que je vais être malade? Est-ce que je vais moi aussi mourir? Cela m'attriste de vous dire ça, prince, mais oui, vous aussi serez malade. Et vous aussi allez mourir. Oh. Vous, moi, tout le monde, personne n'y échappe. Est-ce pour cela que tous vivent dans la peur? Oui, c'est la raison, monseigneur. Alors nul ne peut dire. Je vais m'endormir heureux ce soir et j'ai la certitude de me réveiller en pleine santé demain matin. Personne ne peut dire cela. Nous devrons tous mourir, monseigneur. Je vois. En fait, les plus chanceux d'entre nous vivent plus longtemps, sans jamais contracter de maladies graves. Mais comme tout le monde, ils vieillissent et un jour ils cessent de vivre eux aussi. Les moins chanceux meurent plus tôt, dans la maladie et la souffrance. Que se passe-t-il, Shanna? Pourquoi ne bouge-t-il plus? Il est mort. Son agonie est enfin terminée. Quoi? C'est fini. Monde de douleur pris dans l'engrenage de la vie et de la mort. Oh ! J'avais toujours pensé que la vie était éternelle. Malheureusement, elle ne l'est pas. Il faut instruire les hommes, leur ôter leurs illusions, leur dire que sur cette terre, la mort est la seule certitude. Ils ont besoin d'aide, Shanna. Eux, toi, moi, nous tous devons savoir. Et puis, les dieux aussi peuvent avoir besoin d'aide. Qui sait ? Les dieux, dites-vous ? Monseigneur, mais ce sont eux qui ont créé le monde, à ce que je sais. Shanna, je ne crois pas que Brahma aurait créé ce monde pour rester sourd à ses souffrances. S'il était vraiment tout-puissant, il pourrait empêcher tous ces malheurs. Les maladies, la mort, mais il ne peut rien contre. Prince ! Prince ! Prince, j'apporte une bonne nouvelle. Vous venez d'être papa. Oh, quelle heureuse nouvelle ! C'est merveilleux ! Un petit Siddharth avec qui jouer ! Cet événement n'a rien de merveilleux, Shanna. C'est encore un nouveau lien pour me retenir attaché. Qu'on le prénomme Rahula, ce qui veut dire serpent. Il n'est qu'une nouvelle entrave à ma mission. What kind of life is this, which you see as eternal bliss? Oh, were you just a blind man, bitten by life's deceptive kiss? Thank you.
everything is just an illusion. Oh, Prince. Shanna, Shanna, réveille-toi. Shanna. Hein? Maître? Va sortir, Kantaka. Oh, monseigneur, monseigneur, vous allez monter maintenant au beau milieu de la nuit. Et pourquoi? Chut, parle plus bas, je dois partir maintenant. L'heure est venue pour moi, Shanna. L'heure de quoi, maître? De trouver la vérité que je vais chercher pour le salut des hommes. Mais où allez-vous la chercher? Je ne sais pas moi-même. Monseigneur, vous n'allez pas quitter votre père, votre fils, la princesse. Je dois abandonner mon confort et ceux qui me sont chers à une plus noble cause, Shanna, pour donner le bonheur à l'humanité tout entière, lui donner la joie éternelle. Alors ne perds pas davantage de temps, Shanna, et va chercher mon cheval. Kantaka, ce voyage pourrait bien être le plus long voyage de ta vie, car je n'ai aucune idée de l'endroit où ma quête me conduira. Shanna, veille sur Raoula et sur ma chère Yashodhara. Siddhartha, veuillez accepter les hommages de Mara, le démon de la tentation. C'est un plaisir de vous voir, prince. Mais mon très cher et excellent prince, auriez-vous l'obligeance de me dire où vous allez à cette heure si tardive? Je cherche le chemin de la vérité. Dans 7 jours exactement, le prince Siddhartha sera couronné. Empereur incontesté et invincible de notre grand empire. Dans 7 jours exactement, tous les hommes et toutes les femmes guetteront avec une impatience extrême l'indication du plus infime de vos désirs pour vous offrir le meilleur d'eux-mêmes en signe d'obédience et étancher leur soif de vous servir, ô grand souverain. Mara, les tentations n'ont plus aucune prise sur moi désormais. J'ai renoncé à jamais au faste futile et à l'illusion. Everything is just an illusion. Oh, Prince, how fatal can be your delusion? Depart, right, swift into the night. Do not falter and do not sway until you find your chosen way. Everything is just an illusion. Oh, Prince, how fatal can be your delusion? Oh.
On se reverra, Kantaka. Je sais que ce ne sera pas facile, mais il me faut d'abord tout quitter pour sauver ce monde et toute l'humanité. Va, Kantaka. Vous avez tout abandonné. Et pour quel motif? Pour découvrir le véritable sens de la vie. Voyons, jeune homme, avez-vous seulement une idée de combien il est difficile? Je le sais parfaitement. Pour cela, il faut avoir la foi. Ma conduite est irréprochable. Je pratique la méditation et j'ai la foi. Alors, vous trouverez une réponse à votre question. Les ascètes, transportés par les paroles de Siddhartha, décidèrent de le suivre. Siddhartha entra en méditation sans boire ni se nourrir, le corps exposé aux intempéries, jusqu'à ressentir le souffle de la mort. Il ne faut pas tant jeûner. Buvez. On ne peut avoir l'esprit sain que dans un corps sain. Quel est ton nom? Sujata. Tu m'as redonné une nouvelle vie. Par ta sagesse, tu m'as fait comprendre que la totale renonciation n'est pas le bon chemin. Désormais, je prendrai garde de ne méditer qu'avec un corps parfaitement sain pour avoir l'esprit sain. Je vais suivre la voie intermédiaire entre l'automortification et la satisfaction de mes désirs. Venez, partageons. Siddhartha, tu as rompu ton serment. Tu as oublié ta résolution. On ne peut plus faire partie de tes disciples. Le bois humide ne peut pas faire un bon feu. J'ai découvert la voie médiane. Et croyez-moi, mes amis, c'est la voie qu'il faut que nous suivions. Sois béni pour toutes tes bontés. Merci, ô saint homme. Thank you.
Oh, saint homme, j'ai le cœur tellement triste. Il est temps pour toi d'atteindre le nirvana et de quitter le monde. Non, non, pas encore. Il n'est pas encore temps, Mara. Et pourquoi pas? Tu aurais toutes tes réponses. Tu ne veux pas? Mon savoir doit être transmis à tous, partout. Grâce à lui, toute l'humanité sera sauvée. Non, 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 non! Tu ne feras pas ça! Tu ne peux pas faire ça! Je ne te laisserai jamais faire ça! Maintenant découvert la voie qu'il faut suivre. C'est la voie qui conduira les hommes au terme de leur souffrance. Me voici enfin totalement libéré de tout désir sur cette terre et de l'ignorance. Mais comment pourrais-tu connaître la vérité? Tu as abandonné, souviens-toi! Je n'ai jamais abandonné, seulement ni une vie consacrée aux plaisirs terrestres, ni une vie vouée à la mortification et au renoncement total ne peut apporter la lumière. Le chemin vers le nirvana est sinueux. Écoutez et comprenez bien ceci. Une foi solide, une grande détermination, des discours humanistes, des actions justes, une vie saine, de constants efforts, une pensée claire, une bonne concentration. C'est cela qui apporte la lumière. Pardonne-nous! Pardonne-nous notre ignorance! Ô saint homme, accepte-nous pour disciples! Mes disciples, pour nous le temps est venu de faire un très long voyage. Le temps est venu pour nous de parcourir l'univers. Le temps est venu de prêcher et de répandre la loi divine. Venez, suivez-moi. Bouddha se mit donc en route. Et ses paroles touchèrent nombre de ceux qu'il croisa au gré de ses voyages. Oh, regardez ce petit agneau, le pauvre. Arrêtez! Monsieur, rendez-le-moi! Où emmènes-tu ce troupeau, mon ami? Peux-tu me le dire? Là-bas, où est installé l'autel sacrificiel. On nous a demandé d'apporter en sacrifice un troupeau de 100 têtes pour l'office du prêtre. Et pourquoi cela? Pour honorer les dieux! Nous allons accompagner ce garçon, venez. Thank you.
Dieu Tout-Puissant, fais que les péchés du roi soient transférés sur cette chèvre et fais qu'il se consume dans le bûcher. Taïmakali ! Arrêtez ! Oh. Retenez son bras, ô grand roi. Qui est cet étrange inconnu? Cet homme est le Bouddha. Allions-nous commettre une faute? Éclaire-nous, ô saint homme, est-ce que nous commettons une erreur? Toutes les créatures de Dieu, même les plus modestes d'entre elles, apprécient la vie, ô roi. La vie est précieuse, elle est très précieuse. Même pour cet agneau infirme, votre devoir est de protéger toutes les créatures. Oh. Mais c'est... Majesté, c'est incongru. Chut. Vous êtes autant le roi de ce petit agneau que vous l'êtes de votre peuple. Ce petit agneau vous accorde la même confiance que votre peuple le fait. Et sur votre ordre, le couperet va tomber. Vous allez prendre la vie de ce pauvre petit animal chétif et estropier sur un simple signe de la main. Mais vous ne devez pas espérer, ô roi, en commettant ce péché mortel, la rédemption de vos autres péchés. Et que dois-je faire alors? Proclamez l'abolition de tout massacre rituel dans votre royaume. Pour sauver ta peau? Non, je ne fuis pas. C'est vous qui ne paraissez pas avoir bonne conscience. Quoi? J'ai l'âme en paix. Vous avez au contraire l'esprit agité de tourment. Qu'est-ce que vous racontez? J'ai l'âme et le cœur en paix. Vous devez encore chercher la plénitude, mon enfant. Mon enfant? Qu'est-ce qu'il lui prend? Vous savez qui je suis? Oui, Angulimala. Qu'est-ce que vous savez? Je suis le monstre redouté qui se nourrit de chair humaine. Non, mon ami. Votre esprit égaré implore de l'aide. De l'aide? Est-ce que les gens se préoccupent de vagabonds comme moi? Ils ne connaissent que la pire des cruautés. Non, mon enfant. Tous les hommes ne sont pas mauvais. Ils pêchent par ignorance. Mais notre monde n'est pas entièrement hostile. Et pourquoi je devrais essayer de comprendre les autres? Quand personne ne cherche à comprendre qui je suis. Je suis désolé pour les malheurs qui ont dû vous frapper. Mais vous n'obtiendrez pas la paix en continuant à vous torturer de la sorte. Je vais très bien. C'est moi qui torture les autres. En vous obstinant à ne pas écouter votre conscience, espérez-vous la grâce de Dieu? Assez! Je ne veux plus de discours! Je veux te couper tes petits doigts! Je vous les abandonne, mon enfant, si cela vous fait plaisir. Et en même temps que tes doigts, je vais en profiter pour te prendre la vie! À votre disposition, mon enfant, si cela doit vous apporter un peu de sérénité. Tout au long de ses voyages, Bouddha délivra son message et reprit bientôt la route vers sa terre natale. L'éternelle beauté de la nature, qui l'avait tant impressionné, lui apparut aussi fascinante qu'autrefois. Les pics majestueux, les neiges fondantes, les ruisseaux frémissants et les feuilles d'automne,
tous renferment un message pour ceux qui savent l'écouter. Les rues qui m'étaient autrefois interdites, le peuple que je n'étais pas autorisé à fréquenter, et la réalité de l'existence que je n'étais pas censé connaître. J'ai grandi entre ces murs, couru au long de ces corridors et joué dans ces jardins. Je jouissais des plaisirs de la vie que je croyais éternelle. Plus tard, j'ai pris une tendre épouse qui m'a donné un enfant. Ô Yashwadara, Raoula, où suis-je? Que suis-je venu faire ici? Combien sont solides les chaînes qui nous attachent au monde de l'illusion? Madame, j'ai vu le prince, il est revenu. Oh, c'est vrai, c'est merveilleux. Père, je bénis cette journée qui m'honore de nos retrouvailles. Siddharth, où étais-tu parti? Pourquoi nous as-tu quittés? Et qu'as-tu fait pendant tout ce temps, mon enfant? Veux-tu me l'expliquer? Les misères de la vie que vous aviez ardemment tenté de me masquer, l'évidence de la fragilité des hommes dont vous ne vouliez pas que je prenne conscience, m'ont amené à parcourir le monde à la recherche d'une réponse qui apaise mon esprit troublé. Et cette réponse, l'as-tu trouvée? Certainement, et je suis revenu pour vous faire partager la vérité. J'en suis heureux, mon fils. J'avais toujours su au plus profond de mon âme qu'un jour tu trouverais ta destinée. Dieu te bénisse. Monseigneur, restez près de nous désormais. Je vous en prie, ne partez plus. Ma princesse. Oui, mon prince, c'est bien moi. Et notre fils, Raoula. Mon aimé, j'ai découvert l'amour entre vos bras et connu le bonheur. Mais mon âme torturée était en cage dans ce palais doré. Je dois repartir et remplir ma mission. Puis-je vous accompagner, monseigneur? Je ne veux plus être séparée de vous. Veuillez me pardonner les chagrins que je vous cause, mais je dois renoncer à être votre époux et le père de votre enfant pour prêcher à travers le monde. Ainsi, le prince Siddharth, ayant abandonné tous les biens matériels, son royaume, une famille aimante et la prospérité, s'en alla répandre la vérité universelle. Après beaucoup de privations et de méditations, le prince Siddharth devint le Bhatesattva, ce qui signifie « quête de vérité », et ensuite le Bouddha de la lumière. Ses prêches sur la miséricorde et le dédain du fils d'actes altruistes firent beaucoup d'adeptes. Et c'est ainsi que se fonda une grande religion, le bouddhisme. Le bouddhisme s'est étendu à de nombreux pays à travers le monde, comme le Sri Lanka, le Tibet, la Thaïlande, la Chine, le Japon, le Vietnam ou Singapour. Aujourd'hui, il compte même de nombreux adeptes dans les pays de l'Ouest.